Et salut à tous les amis, ici Master Edge, j'espère que vous allez bien. Bon, écoutez, je pète la forme comme d'habitude. Et aujourd'hui les amis, on se retrouve pour l'épisode 11 d'Hyrule Warrior, l'ère du fléau. Il faut savoir une seule chose, c'est que cet épisode, je le retourne en fait pour qu'il sorte aujourd'hui, donc le mercredi 23. Pourquoi? Parce que j'ai eu des problèmes au niveau de mes épisodes. Et donc c'est pour ça que je suis obligé de le retourner, voilà, aujourd'hui. Et donc vous l'aurez aujourd'hui à 20h, voilà. Après, il faut que je me grouille aussi de tourner l'épisode plus long qui va venir demain, voilà. Et donc, aujourd'hui, on va continuer. Donc, la dernière fois, on est allé aux sources de la sagesse pour essayer de prier. Mais aujourd'hui, en fait, on va refaire cette mission, justement. Parce que celle de l'épisode 12, c'est celle-là, voilà. Donc, je vous rappelle, en fait, que je retourne cet épisode, voilà. Et donc, en fait, j'ai oublié, n'hésite pas à t'abonner, à lâcher un like et surtout, abonne-toi, mais n'hésite pas à aller me suivre sur mes réseaux sociaux. Les liens s'affichent juste ici, à gauche. Donc, écoutez les amis, on est parti. On va être avec Link. Donc, je vais pas trop vous spoil, comme si on n'avait pas découverte la mission. Et donc, c'est parti! L'application des mesures pour contrer le fléau se déroulait sans encombre. Mais Zelda ne décelait toujours aucun signe de l'éveil du pouvoir du sceau. Misant tout sur ce maigre espoir, elle décida d'aller méditer à la source de la sagesse. Seuls les plus de 17 ans sont autorisés à accéder à la montagne de l'Anel, berceau de la source de la sagesse, car ils disposent de la maturité nécessaire. Zelda résolut donc de s'y rendre le jour même de son anniversaire. Hélas, le fléau devait renaître le jour même de l'anniversaire de Zelda. Le roi d'Hyrule ordonna donc l'évacuation de son peuple et déploya les quatre créatures divines afin de limiter les dégâts causés par le fléau jusqu'au retour de Zelda. Mais... Ça y est, l'analyse des dernières données est enfin terminée. Victoire ! On a compris. Arrête un peu de fanfaronner et montre-moi donc ça. Oh. Mais c'est... Fais un geste. J'ai vraiment manqué de vigilance, désolé. Nombreux sont ceux qui ont placé en moi tous leurs espoirs. Je ne peux pas les décevoir. C'est ma dernière chance. Ne vous en faites pas, Votre Altesse. Une fois à la source de la sagesse, vous verrez. Je suis sûre que tout se passera bien. Alors, j'y vais. La tablette Sheikah. Pourquoi aurait-elle des ennuis?
possible. Alors, maintenant faut rejoindre Rudania. Oh, me dites pas que... Le fléau Ganon est déjà là. Visiblement, l'ennemi a décidé de prendre les devants. Alors là, on est dans un beau pétrin. Si le château d'Hyrule est tombé aux mains du fléau... Bien, donc on va aller combattre dans le château d'Hyrule. Donc on a bien vu que Ganon a ressuscité. Et donc on va se promener dans le château pour essayer d'aller sauver Roam. Je vous spoil carrément, c'est trop marrant. Voilà, sauver Roam, Bosphoramus. Donc là il faut essayer de se précipiter sur sur ce qu'on sait quoi. Voilà. Enfin sur le point, pardon. Attention, mais pousse-toi. 2, 3, 4. C'est pas grave. De toute façon on va t'avoir comme ça. Non. Allez, ça c'est fait. Après on va aller par là. Raté. Oh, j'ai esquivé, hein. Et moi, j'essaye de faire des esquivés, mais j'arrive pas. Donc, hop. Tiens. Allez, un petit Polaris. Donc, on a Zelda, Impa avec nous. Et moi, je peux juste contrôler Link. D'accord. Allez, coup de poing faible. Donc ensuite il faut passer par un avant-poste. Non, pas du tout. Est-ce qu'ils sont là les gardiens ou pas? Est-ce qu'on va se battre contre les gardiens aussi? Ah voilà, ça a été sûr. Ouh. Donc ouais. Ganon a pris le contrôle des gardiens. Oui, il a pris le contrôle des gardiens, ouais. Alors, comment on peut les avoir? Tiens. Allez, Cinétis. Un, deux, trois. Coup de poing faible. Eh ben non, tu m'as pas eu. Et allez, pile dans l'œil. Ah, ça fait mal, hein. Ensuite, on va aller par là. 1, 2, 3, 4. Voilà. Donc cet épisode va durer à peu près 30 minutes. Enfin, si j'y arrive. Et l'autre, celui de jeudi, va... Je sais pas. Il va durer... Pardon. L'émission, en fait. La mission qui va suivre, en fait, m'a pris plus d'une heure à faire. Donc je pense qu'elle va durer le même temps, quoi. Mais en fait, c'est un gros problème. En fait, pourquoi je retourne? Parce que les cinématiques, en fait, le son des cinématiques, en fait, apparaissait deux fois. Voilà. Attention. Oh, j'ai appuyé sur B, hein. Tu vas pas me la faire à l'envers. Bah, si t'es pas content, tiens. Voilà, un petit coup fatal. Voilà. Allez, ça pardonne pas. On va aller voir Roam. Allez, poussez-vous. Pourquoi ça va marcher? 1, 2, 3. Et X. Voilà, merci. Moi aussi, j'accomplirai mon devoir. Oui. Ah oui, c'est vrai, il y a deux gardiens là à battre. Allez, c'est parti. Ouais, pardon, d'accord. Nous sommes impuissants. Ah oui, les reliques, hein. Nouvel objectif, éliminer le gardien.
éliminer le gardien. Tiens. Allez, allez, on tape, on tape, on tape, on tape. Tapez, tapez, tapez. Allez, toujours tapez. Allez, tiens. Un petit coup fatal. Non, pas un petit coup, un petit coup de poing faible, pardon. Donc, là. Non, je remets juste le col de ma veste. C'est bon. Oh non, pas encore deux. Allez, encore deux gardiens. Alors, lequel prendre? On va prendre celui-là. Ah, on va souffrir. On se souvient, j'ai eu énormément de galères à le faire. Celui-là. C'est celui-là. 1, 2, 3, 4, 1, 2. Allez, 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 je t'en supplie. Allez, ça c'est fait. On a déjà un. La cache derrière le poteau. Ah, il m'a quand même eu. D'accord, si tu veux. Mais je tape quoi là? Je tape rien. Ah, je l'ai eu. Ah là, j'ai réussi. Ok, bah j'ai même pas vu le comment je l'ai eu. Ah oui, c'est vrai qu'on peut casser les pieds. Voilà. C'est vrai, enfin, on peut casser ses pattes ou comme tu veux, ses pieds. Moi, j'appelle ça des pattes parce que ça, on dirait un peu une araignée, donc c'est pour ça. Et non. Ok, maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Ah, c'est pas un délire de passage secret, non? Ouais, le roi a remporté un passage secret. Ouais, nous étions séparés du reste du groupe. Partons à sa rencontre. Allez, c'est là. Merci. Ça se voit que j'ai déjà joué, hein? Non, pas de cinématique. Échappez-vous par le passage secret, voilà, c'est fait. Des monstres et les gardiens ont investi le château. Il n'y a pas le temps à perdre. Là, on est dans l'embarcadère. Oui. Merci pour la pomme. Donc là, c'est l'embarcadère. Sortons par la bibliothèque et passons par le grand hall pour rejoindre la porte principale. Ok, ok. Bon, je sais où c'est, quoi. Je me crois chez moi, donc c'est pour ça. Allez, les rubis. Tant qu'à faire, des sous. Allez, plus de sous encore. 300 KO. Ok. Allez, allez, allez. Dépêche-toi, Link. Merci. Peut-être là, ça va durer moins de temps, la prochaine mission, parce que vu que... Bonjour. Ah, gardien. Tiens. Éliminer le gardien, bah. Maintenant on sait comment ils fonctionnent, hein, les gardiens. Hop. Et. Ah, dans l'œil. Ah, ça fait mal, hein, dans l'œil. Encore un. Bah, tiens. Merci pour les rubis, ça fait toujours plaisir. Au moins là, si vous voulez de l'action, il y en a. Allez, 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 je t'en prie. Au moins, on fait mal avec la Master Sword, c'est bien ça. Succès, ouais. Pardon. Il y a aussi le bureau du roi qui est quelque part. Ouais. Passons par cette porte pour rejoindre le grand hall. Dépêchons-nous. Ok, bon, bah, le grand hall, il est là-haut. Donc, on y va. Non, c'est de l'autre côté. C'est de l'autre côté, c'est ça? Non, c'était bien de ce côté. Donc là, on est dans la bibliothèque, hein, pour ceux qui n'ont pas compris. Et de l'autre côté, il y a un coffre. Parce que là-bas, en fait, c'est l'étude du roi. Donc c'est là où le roi étudie, quoi. C'est son bureau. Voilà. Et ici. Voilà. Donc, découvrez les secrets. Ah oui, et là, normalement, vous avez un coffre. Mais bon, comme moi, ça fait deux fois que je le... Que je joue à cette mission, il n'y est plus. Voilà. Il n'y a plus. Donc on va passer. On va passer de l'autre côté. Ah oh bah j'ai retenu des rubis. J'aurais été sûr que j'avais retenu une boîte se casser. Donc on va aller là-haut. Par où on passe? Ah oui, il faut faire tout le tour. Ok. Eh ben on fait tout le tour. Non, on peut pas. Ah si, là. Allez, cours, cours, Forest, cours. Ah là là là. Du carton. Ok. Un court-goût.
Et puis rien du tout. Ok, bah cours au bout, tout simplement. Donc on va passer par là, on passe par là, et c'est ici. Qu'est-ce qui se passe? Ah! Les gardiens s'activent à l'embarcadère. Les gardiens sont activés, et si on ne fait rien, ils vont nous attaquer des deux côtés. Calme-toi, il passe, ça va aller, avançons prudemment en surveillant nos arrières. Par contre, ça, je comprends pas. Je comprends. Enfin, j'allais dire. Non, j'allais dire bêtise. J'allais dire, je comprends pas pourquoi on peut pas contrôler Zelda et tout ça. Parce que dans cette mission, en fait, ce sont des personnages un peu secondaires. Ça fait Link qui vainc les forces du mal, tu vois. Juste pour ça. Mais j'ai attaqué avant, hein. Vous êtes. En plus, ils ont avancé loin, ceux-là. Ouais, c'est... Ah, il y a coffre. Surcadenteur anti. Je ne sais pas ce que c'est. Dans le Breath of the Wild, je pense pas qu'il y a surcanteur. Après, normalement, si. Attends, ça me dit quelque chose quand même, surcanteur. Ben, je verrai une fois qu'on aura terminé la mission. Oh, gardien. Ah, elle était sûre. Oh, j'ai pas eu de mal à l'attaquer celui-là. 3, 4. Allez, je t'en prie. Allez, coup de poing faible. Allez, ça c'est fait. Il y a trop de fumée. Non, c'est dans l'autre côté. C'est le côté. Il y avait trop de fumée là. Ok, on va prendre le contrôle de l'avant-poste. Il faut s'échapper du château. C'est la première fois qu'il y a autant de monde dans le château d'Hyrule. Allez, monte l'escalier. Se battre dans un escalier, je te jure. Non, y a rien. Y avait un tonneau cassé. Une pomme. J'en ai déjà pas mal. Allez, des bons goblins d'argent. On est où là? On est dans la... Ah oui, on est dans la salle à manger, là. Et évidemment, pour rendre un petit hommage au château, eh bien, en fait, ce lieu, donc le château, en fait, normalement, dans le Breath of the Wild... Oh, c'est un laguette, donc, vous avez vu. Mais en fait, dans le Breath of the Wild, il y a les monstres ici dans le château sont 10 fois plus cheat que dans le monde normal. Enfin, que hors du château, quoi. Donc, c'est pour ça que... Vous pouvez tout croiser, des mobiles d'argent, des mobiles noirs, des... Vous pouvez tout croiser là-dedans. Même des les alphos. Enfin, je pense pas qu'il y aura des les alphos. Après, je sais pas. Donc ça, c'est fait... Est-ce que j'en ai besoin? Non, j'en ai pas besoin. La baguette de glace. On va continuer. C'est par là. Eh bien, on continue. Si c'est par là, on y va. En plus, c'est pas dans les escaliers. Comme je le dis si bien. C'est pas chose gagnée. Ah bah d'accord, ok. Ok, mobile de feu, toi tu vas te calmer. On va utiliser ta... Tiens, un petit. Gelé. 9, 3, 4, 5, 6. Allez, coup de poing. Ah bon, bah on a rien vu. Ok, c'est pas grave. Parfois il y a des bugs de caméra, donc c'est pour ça. L'avant-poste il est pris, ouais je pense. Bah voilà, en fait il y a des avant-postes. My bad. Donc vous pouvez tout croiser. Vous pouvez tout croiser comme mob. Hein. Et pas qu'un peu aussi. Parce qu'il faut passer. Il faut passer là en bas. Là. Faut aller en bas. Bon, cette salle ne sert à rien. C'est juste pour planquer un Kurogu. Allez hop. Ça, comme ça. Ouais. Un Linel blanc, oh, voilà. J'en étais sûr. Donc on peut combattre les Linel. Alors, juste. Ah, ça fait mal, hein. Alors là, il faut être super réactif.
J'esquive. 2, 3, 4, 1, 2, 3. J'ai l'impression à chaque fois je suis obligé de me justifier. Oh oui! Ça c'est pas mal ça! Il commence à être bon le Edouard, il commence à être très très bon. Alors pour ceux qui ne savent pas, je m'appelle Edouard. Ah bah raté. Mais oh, j'ai appuyé sur B hein. Oh, c'est pas possible. Là aussi j'ai appuyé sur B. Parfois j'ai l'impression que le B il ne marche pas. Allez, attaque. Non, ça va, je suis pas dans le cercle. Ah, raté! À chaque fois. À chaque fois, je me fais avoir. Puis sur B, hein. Là aussi. La caméra, elle a du mal à suivre. Hein. Bon, un petit coup fatal. Allez, on va parce que j'en ai marre. Voilà. Hein, un petit deuxième. Et je sais pas si on peut avoir plus de coups fatals. Normalement, oui, si on améliore les missions. Allez, ça en est fini pour toi. Allez, 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 je t'en prie. Allez, ça c'est fait. Allez, salut. Est-ce que les coffres sont sous comme ça? Un grand nombre de gardiens apparaissent à l'intérieur du château. Oh purée. Donc. Nouvel objectif défini. Ok. Bon, il faut s'échapper. Les coffres, ouais, ils se sont ouverts. Moi, j'ai même pas vu. C'est. Ouais, c'est par là. Allez, 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 je t'en prie. Succès, ouais, je me suis échappé. Ouais, nous sommes ça et ça, mais comment on a pu prendre le contrôle des gardiens? C'est inimaginable, mais ne perdons pas le temps. Nous devons rejoindre mon père. Cinématique? Cinématique, ouais. Père! Fuyez! Tu es le chevalier servant de la princesse d'Hyrule. Tu sais ce que tu as à faire, n'est-ce pas? Ma fille, je te la confie. Non. Eh bien voilà, donc comme on a pu le constater, Roham est malheureusement mort. Voilà, il s'est fait tuer par un gardien. Donc voilà, qu'est-ce que j'ai encore à vous dire? Bah plus rien. Ça dégoûte tellement, vous voyez. Ah, sur compteur antique, ouais, c'est une tablette Sheikah quoi. Matériaux obtenus, d'accord. Les créatures divines. Ganon les a... Oh.
mes amis et mon père. Tout ça par ma faute. Pourquoi mon pouvoir ne s'éveille-t-il pas? Regardez! Alors, rien n'est perdu? Il y a forcément encore quelque chose à tenter. Allons-y! Ah bah en fait, parce qu'en fait il y avait une autre cinématique qui venait juste après, je vais vous la mettre dans le montage, mais en fait ça a été plus court que prévu, voilà. Donc on va se quitter là, oui, pour ce petit épisode, désolé hein, c'est le petit épisode d'aujourd'hui, mais bon au moins c'est un épisode quand même. Du coup les amis, n'hésite pas à t'abonner, à lâcher un like, à commenter, partager ma vidéo et surtout abonne-toi à la chaîne pour ne rien rater et n'hésite pas à me suivre sur les réseaux sociaux qui s'affichent là à gauche. Donc c'était Master Red les amis, on se retrouve pour une prochaine vidéo, pour un prochain épisode. Donc je vous dis salut à tous. Tu aimes mes contenus et tu en veux plus? Alors n'hésite pas à aller visionner mes autres vidéos en cliquant juste ici, mais aussi à t'abonner à la chaîne et à activer la cloche des notifications pour ne rien rater.